Hello à tous, c'est Martine, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo et aujourd'hui c'est un petit peu exceptionnel cette vidéo parce que je voulais vraiment tous vous remercier du fond du cœur de suivre cette chaîne, de vraiment être de plus en plus présent. Et donc cette semaine, nous avons dépassé les 1000 abonnés et vraiment ça me fait très très plaisir et vraiment toute ma gratitude pour votre présence, pour vos commentaires, pour vos retours, pour votre écoute et votre vision aussi. Et moi, ça me fait très très plaisir parce que ça me donne envie de continuer. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps j'ai commencé la chaîne, pour tout vous dire, mais voilà, aujourd'hui, nous sommes le 21 octobre 2021, donc 21-10-2021. Le 21, c'est assez important au niveau du tarot. La carte du tarot, c'est le monde. Voilà, et moi, une de mes valeurs, c'est vraiment le partage, la transmission, et c'est pour ça que ça me fait toujours chaud au cœur quand, voilà, c'était un petit objectif pour moi, les 1000 abonnés, surtout là, c'est ma date aussi de mon mois anniversaire. Donc voilà, c'était un petit challenge pour moi. Et puis, j'embrasse aussi mon fils Romain, puisque c'est son anniversaire hier aussi. Et donc, voilà, tous mes voeux de bonheur pour toi, mon chéri. Et voilà, donc cette chaîne, eh ben, que vous suivez, elle était faite de vidéos sur la santé, sur l'équilibre, c'est des choses qui me tiennent à cœur. Ces derniers temps, vu tout ce qui s'est passé, j'ai pas mal parlé aussi et partagé sur l'immunité, sur la santé, sur le mieux vivre. Et voilà, je pense que ça a plu à pas mal de personnes. Vous pouvez suivre aussi mes podcasts en vidéo. Donc, je suis sur la chaîne Ocha, mais je remets aussi sur cette chaîne YouTube, mes podcasts pour ceux qui ne veulent pas suivre sur les plages de podcasts. Et dernièrement aussi, vous étiez très, très nombreux à me demander à continuer les vidéos sur les points d'acupression. Alors, merci de vos retours. J'ai commencé par le mal de dos et puis aussi par le stress, par l'insomnie. Voilà. Et là, je vais poursuivre avec grand, grand plaisir. Donc, évidemment, c'est plutôt pratico-pratique hein, parce que la médecine chinoise, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais voilà, je pense que d'après vos retours, il y en a qui peuvent pratiquer certains points et qui peuvent aller vers un mieux-être et une meilleure santé, une meilleure vitalité, une meilleure énergie. Et là, maintenant, j'avais envie aussi de faire des vidéos, un petit peu de revenir sur le Qigong. Donc, comme vous le savez, j'ai écrit trois livres aux éditions Marie-Claire sur le mal de dos, sur le Qigong et sur la médecine chinoise. Donc, j'ai déjà fait auparavant des vidéos sur le Qigong, mais là, je vais reprendre un petit peu. Puisque cet été, j'ai fait un stage avec l'IAO, que je salue d'ailleurs, et j'ai envie de vous partager aussi des mouvements simples de Qigong qui sont ouverts à tous, que vous soyez débutant ou que vous soyez un peu plus avancé. Et j'avais envie de travailler là sur ces prochaines semaines sur la bannière de Mawangdui, qui sont des mouvements de Qigong thérapeutiques, des qigong de santé qui ont été retrouvés dans un site archéologique il y a très très longtemps. Je vais faire un article, je veux aussi vous mettre tout ça dans le descriptif de cette vidéo. Donc voilà, vous allez retrouver un petit peu aussi ce style de vidéo dans les prochaines semaines. Voilà. Et bien écoutez, tout ça pour vous dire encore merci, merci de tout cœur, une grande gratitude. Voilà, c'est toujours avec un grand plaisir que je diffuse au plus grand nombre. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, eh ben, vous pouvez le faire. Et puis, vous pouvez liker, vous pouvez partager, vous pouvez me mettre des commentaires que je lirai avec grand plaisir et je répondrai, j'essaierai de répondre à vos envies, à vos questions. Voilà, merci de tout cœur encore. Et puis, je souhaite vraiment une belle journée, une belle semaine, une belle fin d'année et puis surtout une belle énergie. Restez
rester centrée en ce moment, surtout, et puis pratiquer la respiration, la méditation, le qigong, pratiquer les massages, pratiquer ce que vous voulez comme thérapie, peu importe, juste pour rester alignée, verticalisée et centrée, surtout. Voilà, je vous embrasse très, très fort, je vous dis à très, très vite, de toute façon. Portez-vous bien.